Et tout est haut, patoche, celui. Alors, ben, on va continuer dans le procès. On va donc avancer avec Crochet la Montagne, le numéro 27. Et là, on va continuer sur la timonerie de frein, de commande de frein. Écoute, c'est la suite du numéro 26. On va allonger la partie, comment dire, de frein, les sabots de frein. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore, si vous le désirez, comme vous le savez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Il y a la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu dès que je vous mets une vidéo. Le petit like si vous aimez. Vous pouvez laisser un commentaire, j'y réponds. J'essaie d'y répondre rapidement et à tout le monde. Là-dessus, vous savez, je fais le maximum. Cueillir d'autres, eh bien, écoutez, que c'est un copier-coller du numéro 26, mais dans l'allongement de la pièce. Donc, bah, écoutez, allez, hein, c'est parti. On va donc attaquer sur la présentation du fascicule. Je vais juste vous le descendre un tout petit poil. Voilà, un poil. Voilà. Hop, comme ça c'est bon. Alors, que dire, que dire, que dire? Voici les pièces. Alors, comme je disais, on travaille avec le numéro 27, le fascicule 27, mais on a les pièces du 26. Voilà. Oui, je vous avais promis dans la vidéo d'avant. On va peser tout ce qu'on a sur la mountaine avec le numéro 27. On aura déjà un ordre d'idée du poids à venir pour la future maquette. Voilà. Alors, numéro 27, le fascicule réseau du Chili. Donc, on a tout plan ici. Voilà, il y a, apparemment, il y a une ligne principale. C'est une deuxième ici en haut. Voilà. Ça, c'est les trains, ben, d'abord. Hein. Il y a du sud. Voilà. Ici, Charles Parisiot. Donc, il nous parle ici, les ressorts à l'âme. Voilà, et là, on a donc nos pièces du numéro 26 qu'on va détailler vite fait après. Non, ce sont nos pièces du numéro 27, autant pour moi. Ouais, le numéro 27. Parce que nous, on va travailler, voilà, ici, avec les pièces du 26. Donc là-dessus, il ben, n'y a rien de spécial à faire pour l'instant. Voilà, on a juste à sortir les pièces et faire un point de détail. C'est parti! Oh, qui nous recommande. Après, on a deux pièces. Alors. Et un poil tordu, ça va. J'espère que non. Ça, on n'a pas l'air. Peut-être un poil plus courte. Donc faut faire attention. Ici. Pareil. Donc on a deux longues. Et on a deux courtes. Par contre, ce sont les mêmes. Donc deux courtes, deux longues. Mais par contre, au niveau de la forme, c'est les mêmes. Donc ça, c'est 26B, 26F. Les timoneries de frein. Deux. Deux. Et bah c'est ça, mettre les plus longs en dessous. Les plus longs au-dessus. Ici, on a nos quatre sabots de train. Donc gauche-droite. Alors il y a L et R. Là c'est R. L, L, R. Un, deux, un, et deux, voilà. Ensuite, on a nos vis, EM, vis, FM, et vis, RM. Et on a l'autre timonerie, pas de bêtises,
R26E, c'est une commande de France. Voilà. Voilà la deuxième. Donc on est à peu près, c'est presque la même pièce que l'autre. Le numéro 26. Allez, c'est parti pour le montage. Alors on va commencer. Et ben, on va faire les quatre sabots. Hein. Les quatre sabots avec des vis RM. Donc maintenant, on va installer des traverses. Donc on va faire d'abord celle qui est en bout, la E26, celle-ci. Elle vient donc se positionner. Alors la partie vient comme ça. Et ici, les deux trous à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, et là on vient y mettre donc des vis EM. Voilà. Maintenant on va faire l'autre. Alors elle c'est pareil. On vient donc les dans ce sens-là. Ça sur le dessus. Voilà. Comme ceci. L'autre. Et voilà, donc là, nos travers, non, ici, c'est pour moi, nos travers sont mis. Donc là, on va mettre les 26B et 26A. Alors, 26B et 26A, c'est les plus longues. Ouais, les plus longues. Voilà. Et là on met des vis FM. Et voilà. C'est bien, c'est serré. Maintenant on va faire l'autre. Enfin, les deux dernières. On va parler un vis. On vient d'avoir une vis. Donc apparemment ça a l'air de bien fonctionner comme ça. Et voilà. Donc une, deux. C'est le travers là, là et là. Voilà, on va tout l'ensemble, sabot de frein, c'est fait. On va écouter. Voilà donc pour ce numéro, numéro 27. Alors, maintenant, on va faire, comme je vous l'ai promis, on va poser. Alors déjà, on va mettre la machine en retard 0. Déjà rien qu'ici. Ben, rien que le châssis, si on a un kilo 283 sur ce châssis. Je rajoute la bougie. Que tout y est. Ouais, je crois que tout y est. J'ai oublié. Non. Voilà. Mais écoutez, hein, on est au numéro 27 et on a une machine qui fait un poids de 1,613 kg. Et on n'a pas fini les pièces métal, je pense qu'il y en a encore pas mal à venir. Voilà, bah écoutez, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Je sais pas au final combien elle va poser.
Et je pense qu'elle va faire son pot. Bon ben voilà, les pipiots, on va ranger ça. Donc les pipiots, ben voilà, c'est terminé donc avec, comment dire, ce numéro 87. Sur ce, on se revoit très vite, pour le faire dans la foulée d'ailleurs, avec le numéro 88. Un petit rappel pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous désirez, vous pouvez comment dire, bah, vous abonner à ma chaîne. Hein. Voilà, vous avez la petite cloche comme ça, vous n'êtes pas venu dès que je vous mets une vidéo, le petit like. Hein. Vous pouvez laisser un commentaire, je réponds, il n'y a aucun souci là-dessus. De plus, pour vous, ça mange pas de pain et c'est totalement gratuit. Voilà. Bah, je vous embrasse toutes et tous très fort. Et je vous dis bah, tout de suite hein, avec le numéro, donc 28. Voilà. Ciao les pipiou, à bientôt.